Salut tout le monde. Alors, on est donc mercredi 29. Bon ben l'heure vous la voyez, j'ai pas remis la caméra à l'heure. Donc je dirai pas quelle heure il est. Bon, il doit pas y avoir grand chose comme décalage. Donc voici les news. Depuis le début du mois, eh bien, effectivement j'ai pas fait de nouvelles vidéos puisque j'ai eu des messages me posant la question à Chi. Le PC était HS, il avait pris un choc électrique via le port USB à cause d'un filtre que j'ai de brancher qui était alimenté en 12 volts qui était branché entre le SDR et l'antenne. Bon, la prise s'était débranchée et le puce avait fait contact avec la masse, et comme tout était branché au PC, forcément quelque part ça n'a pas aimé. Bon bref, hier, première news, le PC est pris en compte par le transporteur hier après-midi. Ok, bon, hier après-midi, pris en compte par le transporteur en Hollande, directement au SAV de la marque en Hollande. Et news d'aujourd'hui, il est arrivé ce matin à Libourne, au magasin où j'ai acheté le PC. Alors je sais pas comment ils ont fait, soit ils ont envoyé le PC par en pièce jointe dans un email à Chimilco, ou alors il y a de la téléportation. Mais couvrir une telle distance en si peu de temps, et eh bien le mec il peut s'inscrire aux 24 heures du Mans, il est sûr de gagner. Bon bref, il a été pris en charge par le service après-vente. Donc ça vaut le coup d'acheter du neuf hein, quand il y a un problème. Ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui disent que faut pas acheter du neuf, faut acheter d'occasion. Ben pas forcément. Donc là je m'attends à ce que la carte mère soit entièrement changée et blablabla et blablabla. Et en plus il y a de la propague. Ouais, c'est en AM. Putain la vache, la force du signal. Bon ben là, je vais... Qu'elle va pas tarder à débaucher, on va se retrouver à Libourne et puis ils vont nous expliquer tout ça. Alors j'ai donné la date en début de vidéo parce que plan A, et bien tout refonctionne de suite, nickel et tout, pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. Plan B, s'ils ont bien changé la carte mère comme je le pense, j'ai tout à réinstaller, tout à refaire au niveau réglage et tout et tout et tout. Donc encore bloqué quelques jours, le temps de... Oui, surtout que en plus de ça, si j'ai tout à refaire, eh bien je vais avoir des trucs à désactiver du côté Windows qui sont une vraie saloperie, comment ça s'appelle déjà, BitLocker. Oui, c'est ça, oui. Le truc de cryptage là, des disques durs qui fait chier tout le monde. Donc ça, il va falloir que je le dégage, que je le désactive. Parce que Windows, c'est pas mon truc. Ce Linux, c'est quand même nettement mieux, plus pratique, plus facile à utiliser que Windows. Oui, oui, oui. Comme dit Gilles, oui, monsieur. Ouh, il y a du monde sur la route. Peut-être que j'aurais dû faire turbo. Mais il y a un stop, ça se respecte les stops.
CTE-CTDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde, Sud-Ouest France. J'ai perçu des gyrophares, ça, ça doit être un convoi exceptionnel. Si c'est le cas, silence radio pour moi, pour pas les déranger. Le poste est froid. Ce monde là-dessus. Là, je suis sur une fréquence d'appel du côté des 40 canaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est en LSB. Et regardez le panneau, il est à l'envers. On marche sur la tête en France. C'est bien connu. Ah, c'est un chantier. J'aurais dû passer par cet émission. C'est bon. Ah, quand même. J'entends un peu les sucres dedans. Il y a le filtre alimentation derrière, mais bon, maintenant, si ça attrape par l'antenne, évidemment, c'est pas le filtre alimentation qui va pouvoir me filtrer du côté antenne. CQ, à peine en direction du Québec-Canada, à peine en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km, 33-01 Rémi. Dandy 33 qui t'appelle en mobile depuis le département de la Gironde. Bon, c'est sûr qu'en retour, je vais pas passer par là. Oh non. Allez visiter un peu Saint-Émilion au retour. Ah, juste que passer. Waouh, ce truc devant là-bas au loin. Alors celui-là, il a un peu trop mangé à table. Ou alors c'est un combat exceptionnel. Ah, je déconne, je crois que c'est un bateau qu'il a. Vu la flotte, ça doit être un bateau qu'il a. Alors, quand ça fait des glissements comme ça, j'ai remarqué que bien souvent ça passe du côté Québec. CQ, CQ, CQDX.
Appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi. Dandy 33 qui t'appelle en mobile depuis le département de la Gironde. C'est un filtre d'antenne qui me manque là dans le push. Et là, c'est pas simple. J'en ai pas, je veux dire par là que j'en ai pas, j'ai pas d'idée là sur quel filtre d'antenne. En plus, pour être mis en mobile, qui pourrait aller. Reste plus qu'à filtrer eh bien, le moteur lui-même de l'essuie-glace. Alors, sur le forum de la planète semi-francophone, dans les accessoires postes, on voit espèce de ça ressemble à, vous savez certainement un condensateur, il doit être blanc. Oui, enfin, il y a plusieurs modèles. Il double pas. Ah si, quand même. Eh bien, il a mis le temps avec sa trottinette. Bon, Gilles n'est pas là, visiblement. Alors, là, il est 15h chez nous, donc 9h chez lui. CQE CQE CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, les environs de Saint-Émilion. Et oui, là je passe à côté. En haut sur la colline à droite. Oui, bon d'accord, à droite de la caméra. Mais à droite. Pour ceux qui ne me croiraient pas, il n'y a pas que le 12 sup. Hein. Je vois encore des messages là-dessus. Voilà. Sur les réseaux sociaux, hein, principalement. Ou quand des gens, des nouveaux, demandent où aller pour trouver du monde. La seule et unique fréquence qui est donnée, c'est le 12 sup. 27.555. Comme s'il n'y avait pas d'autres fréquences sur un poste. CQE CQDX, appel de 14 km, 33-01 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde. Oui, il est perdu. Ah putain, oui, Seaton. Il peut pas passer. Il va se faire flasher. Hein. Il a freiné à temps.
le mille pattes devant, il est en train de s'emmerder à trouver son chemin. Il aurait la cibie à bord. Eh bien, il pourrait se faire aider, hein, puisqu'en plus de ça, je suis juste derrière lui. D'ailleurs, vu comment c'est, je vais dire par là, j'ai entendu personne de francophone en BLU. Comme c'est la seule langue que je comprends. Et puis vite, je suis sur la route. Hein. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile. Depuis les environs de Saint-Émilion en direction de Libourne. Pas sûr que j'entende le grand monde. Bon allez, un petit bain d'Américain. La propagande, elle est là. Je dis ça, mais elle est là tous les jours. Depuis ces dernières années, là, ça y va à fond. Et on n'est pas au maximum encore. Alors, certains disent qu'il n'y a pas de propague. J'avoue que je comprends pas trop. Je serais curieux de voir leur installation. Alors, dans la Bagounette, certains disent qu'il n'y a plus personne sur la CB. Mais quand vous regardez leur équipement, quel équipement, ils n'ont rien. Et sans rien avoir, ils sont capables de dire qu'il n'y a personne. Ils sont très forts. Italie. Mais tous les panneaux ont été retournés. Mais. Ah, il y en a, ils se sont bien amusés. Alors, petite blagounette pour les étrangers. Vous cherchez un pays où c'est du grand n'importe quoi? Venez en France. Alors c'est grand n'importe quoi en France, petite parenthèse.
Et il n'est pas que du côté du gouvernement. Hein. Mais c'est tellement plus facile de critiquer les absents. Il est aussi du côté des gens. Hein. Les gens crient au scandale, surtout, mais il faut surtout pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Là, au niveau de circulation, c'est vrai que là aujourd'hui ça va, mais dans le grand n'importe quoi, c'est le grand n'importe quoi. Je me vois travaillant la nuit, puis en plus en voiture, je me vois des fois être obligé de si je veux pas qu'il y ait de collision, être obligé de laisser passer quelqu'un qui normalement a un stop. Par exemple, ou alors laisser passer quelqu'un qui est en plein sens interdit et qui crie au scandale parce que vous arrivez dans le bon sens. Vive la France! On voit que c'est l'heure de débaucher pour pas mal de monde. Pourtant, on est en milieu d'après-midi là. Les parasites, j'ai vu du sommet, la voiture électrique était juste devant moi. Ah non, je les ai encore. Canada.
Là, je vais pas pouvoir voir, j'entendais pas ce qui se sont libérés. Ah, drive. Vite. Voilà. J'ai entendu Gilles là derrière. Ah, c'est QRM, on croirait de la FM. Il n'a pas l'accent québécois, lui. On dit un accent du sud-ouest de France. Aïe aïe, ouais, moi aussi là c'est compliqué. Bon, c'est pas idéal à écouter là. Même en plein QRM, il arrive à passer. Quoi.
Bon, je prends pas le micro là parce que bon, je suis en train d'attendre l'XYL. D'un moment à l'autre, elle doit arriver, donc j'aurai tout le loisir après, c'est le retour. Bon, vu l'heure, il devrait y avoir du monde sur la route, à propos d'heure. Alors, 15h37 d'un côté, sur la caméra, il est 15h34 en réalité. Ah, il y a une remise à l'heure qui s'impose. Ok, ça y est, sorti du magasin. L'autre s'est endormi dans sa voiture, c'est cool ça. Allez, on passe. Alors bon, ben, c'est bien le plan B au niveau du PC. Pour ceux qui ont suivi le début de la vidéo, ils auront compris. Donc, changement de la carte mère, ils se sont pas embêtés. On change de carte mère, on remet un nouveau Windows dedans. Donc j'ai plus qu'à tout refaire, réglages et tout, désactiver ce que je veux pas dedans, parce que Windows me sert uniquement pour le travail vidéo, rien de plus. Désactiver BitLocker avec son copain Secureboot pour pouvoir mettre Linux à nouveau dessus. Voilà, voilà, voilà. Il y a une espèce de circulation ici, hein. On serait bien vrai que là-dessus, mais pas sûr que j'entende la réponse. Ah, Gilles. Ce travail vidéo que je vais avoir à faire, j'en ai de stocker aussi sur le serveur au QRA. J'ai laissé passer du monde parce que j'ai ma femme qui est en voiture juste derrière. Break pour 14 km 3301 mobile à Libourne.
Comment chercher à créer un accident, oui. Un autre problème du Québec, l'écoute n'est pas évidente. Hein. Il faudrait un filtre DSP là dans le poche. Ah, il existe des haut-parleurs avec DSP intégré pour mobile. Ah, ils sont assez efficaces apparemment. Parce que au niveau signal, j'ai pas grand chose au niveau QRM. C'est au niveau bruit ambiant après que j'ai pas mal. Ah, il y a un qui a perdu ce chargement. Ah. Break pour 14 km, 33-01 Rémi, en mobile sur Libourne. Pas compris à qui il a repassé le micro. Là, c'était pas moi. Moins 15. Ça fait froid, ça. Moins 7 pour Gilles. T'as regardé l'hôtel en face à droite. Le grand pareil. Ah, c'est un peu de QRM. Ouais, 14 km 33-01 en mobile Saint-Émilion. Ah zut.
Break 14 km 33 01 Rémi en mobile sur Saint-Émilion. Break 14 km 301 Rémi en mobile Saint-Émilion. Il y a trop de monde, ça passera pas. Break pour 14 km 3301 Rémi en mobile sur Saint-Émilion, département de la Gironde. Pour 14 km 33-01 Rémi en mobile sur Saint-Émilion. Break 14 km 33-01 en mobile. Yes, ça passe. Je reconnais Cédric. Break 14 km 33-01 Rémi en mobile. La puissance n'a rien à voir, c'est la propague qui décide.
14 km et 33 et moins Rémi en mobile. Pour 14 km, 33-01, Rémi en mobile. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pas du tout, ça c'est parce que c'est trop QRP qui est aussi possible. Quand c'est trop QRP, évidemment on va pas faire répéter la station, c'est pas la peine. J'ai du boulot qui m'attend de toute façon aussitôt après, une fois rendu, avec le nouveau PC. C'est pas la Max 2000, c'est la IMAX 2000.
vu ça, l'autre il s'est pas trop écarté. Hein. Ah là là là. Ça aurait été un drame s'il avait sali un peu sa voiture sur le bas-côté. Ah chi. Et puis là maintenant c'est rempli d'un seul coup. Allez comprendre. Ben on va dire qu'on est en plein centre du village. Allez, 73-51 tous. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.